De bienvenue à Londres, au stade mythique de Wembley, pour assister à la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, la C2, saison 1993. C'est une finale inattendue. C'est une finale qui va opposer les Belges du Royal Antwerp à l'équipe italienne de Parme, deux équipes inédites à ce niveau de la compétition. L'occasion pour ces deux équipes de gagner un premier trophée européen. Parme, c'est l'équipe italienne qui a la cote en pleine ascension, portée par un entraîneur révolutionnaire, Livio Scala, et son système en fer à cheval. Et l'équipe d'Antwerp, entraînée par un ex-international de renom, Walter Meeuws. C'est une finale donc très ouverte entre deux formations qui aiment jouer au ballon. Et dans ce stade mythique de Wembley, on espère donc avoir du spectacle. Côté de l'équipe de Parme, à noter la présence de Georges Gron, international belge, ancien d'Anderlecht, et également le suédois Thomas Brolin, la nouvelle petite football suédois. Côté belge, l'ancien Alex Zaniatinski, ancien joueur d'Anderlecht, entre autres, aussi vainqueur de la UEFA en 83 et de l'Est en 84. Et c'est parti! Avec en rouge le Royal Antwerp, en blanc l'équipe de Parme. L'équipe de Parme qui a la particularité de jouer avec 5 défenseurs, 3 centraux, mais surtout 2 latéraux qui comptent beaucoup et qui apportent le surnom. Là, on a vu la faute d'un ancien joueur nantais qui était impliqué sur ce coup franc. C'était Yougoslav, le Serbe. Dragan Jakovlić avec le numéro 6. Allez, c'est franc pour Lorenzo Minotti, le capitaine de Parme, qui va chercher le duo devant Alessandro Melli, Thomas Brolin. C'est le race. C'est pas un truc. Dickens. Les Parmesans sont favoris de cette rencontre. Le football italien, c'est le football dans les années 90. Et c'est casse. Attention à cette équipe d'Antwerp qui espère bien déjouer les pronostics avec une première frappe superbe de Ronnie Van Rietti qui a allumé la première mèche dans ce stade de Wembley où il y a vraiment une très très belle ambiance en ce mois de mai 1993. Belle frappe de Van Rietti qui passe pas loin. But de Marco Palota qui arbore un très très beau maillot. L'autre gardien, c'est l'ancien gardien de l'Étoile Rouge, qui était là également finaliste de la Coupe des Champions 91 avec l'Étoile Rouge. Attention, Rossio, le décalage pour Stefano Kwoggi. Oh, et l'ouverture du score! L'ouverture du score pour l'équipe de Parme. Stefano Kwoggi qui s'est fait oublier, servi par Marco Rossio. Et c'est Parme qui ouvre la marque dans cette finale. On va revoir ça. Elie Stojanovic, il n'a pas encore touché un ballon. Alors, Osio, regardez Osio, le bon travail. Il a embarqué tout le monde. Il a décalé Kwoggi. Derrière, il y a une belle frappe pied gauche, légèrement externe. Et voilà donc les Parmesans qui ouvrent la marque dans cette finale de Wembley. Ah, il y a un peu de réussite dans cette frappe. Et en tout cas, voilà l'ouverture du score ici à Londres. Elle est italienne. Et déjà, les joueurs d'Antwerp ont pris le coup après le score. Dickens avec Lenov, Peter Lenov, joueur allemand, expérimenté lui aussi, ancien du Bayer Leverkusen. Van Rietti. Tijmans qui frappe contré par la tête de Marco Osio. Et attention, car les joueurs de Parme vont pouvoir évoluer en contre Zorato.
chercher Brolin, ça a été repoussé. Et les joueurs de l'Antwerp qui gardent ce ballon. C'est de mettre de la folie dans ce match pour la récupération de Lenoff qui va frapper, c'est une nouvelle fois contré. Minotti devant. Oh là aussi. Defensive qui n'était pas lancé. Vanretti, attention, il peut-être encore frapper. Vanretti, allez, c'est génial avec Jakolovic. C'est pas fini. Seguers. Le centre de Seguers, sa déviation de la tête de Zelentinski. Palota va calmer tout ça. Oh. L'équipe de l'Antwerp qui n'arrive pas ici en victime malgré ce but encaissé. Ils restent fidèles à leur principe de jouer, d'attaquer. Et comme Vinic, c'est un dentel, lui. Il n'y a pas ici vraiment un dente à se poser. On va être contré et ça peut aller vite. Attention, Méli. Méli pour Thomas Brolin. Attention, Thomas Brolin. Il envoie devant pour Stefano Kroghi, le buteur. Kroghi dans la surface de réparation, le centre. Il est tout seul, Marco Ossion. Et il a complètement raté son tête. Il n'a pas réussi à ramasser ce ballon, mais regardez comme ça va vite. Les joueurs de Parme étaient en avant face sur les défenseurs belges. Et Ossion ne parvient pas à rétablir ce ballon. Alors que l'Antwerp passe. Attention, elle ne peut pas se découvrir. La relance mauvaise. Et derrière, oui, heureusement, le bon retour de Vanretti. Kekens. Jakovlevic. Jakovlevic n'est pas attaqué. Il va tirer la frappe de Jakovlevic. Et parade de Marco Balotta. Bien joué, du portier italien. Car là, Jakovlevic n'est pas attaqué. Il a pris tout son temps pour armer, pied gauche. Une belle parade de Marco Balotta. Et le corner à Dans Peter Lenoff. Ça s'élève très haut, une tête qui va faire sa course juste au-dessus de la barre. Il est puissant dans cette tête. C'est encore Ronny Vanretti. Le terrain défensif de cette équipe de l'Antwerp. Et pour l'instant, Parme mène 1-0, mais ce sont les joueurs de l'Antwerp qui font le jeu. Dans cette finale, des vainqueurs de Coupe 93 ont rejoué sur PlayStation 4 Pro Evolution Soccer 2010. Alors que ce a été balancé, son râteau s'est arrêté et il savait que le premier carton, il est pour Dragan Jakovlevic. Pour cette faute sur Marco Ossio. Et l'occasion pour Lorenzo Minotti. Passer le ballon devant le but de Stojanovic. Attention la reprise. Et la parade du portier serbe sur cette reprise encore du buteur Stefano Kroghi. On était plus proche du 2-0. Antwerp qui relance. C'est Brass. Et donc, Elino font le long ballon. Capté la frappe. Kiara qui relance. Kiara Benarivo. Ce sont les deux latéraux offensifs de cette équipe de Parme. Et oui, l'arbitre qui va revenir à la faute. Bien évidemment, et nouveau carton jaune. Nouveau carton jaune pour Antwerp. C'est Vin Kekens qui est averti. C'est vrai que tac, c'est très en retard sur Kiara. Le front. 47 minutes de jeu, encore Minotti. C'est sa dernière Minotti, Apolloni, Sensi, Grom, il y a vraiment du monde dans cette équipe de Parme pour annuler les attaques de l'Antwerp. Minotti, c'est terminé, loin devant, ça va être coupé, c'est coupé, et c'est relancé avec Thomas Brolin, il n'a pas beaucoup de confiance, c'est là, Benarivo. A rejoué avec Brolin, qui rentre dans la surface de réparation, le petit centre de Brolin, et la tête, sans problème pour Stojanovic qui relance. Et c'est la mi-temps déjà qui est sifflée sur ce score de 1-0 ici à Wembley, 1-0 pour les hommes de Nevio Scala. Allez, on a fait des changements du côté de Walter Mühl. Van der Degen a remplacé Seguers et la rentrée également de Noéline Moukri, marocain, joueur un petit peu plus offensif que Jakovlevic.
Benarivo qui s'infiltre. Benarivo toujours où il a été taclé. Il a fait obtenir le corner. Et corner de Stefano Krog. Poussé, attention, la reprise de volée de Dicara. Oh, quelle reprise et quel arrêt de Stojanovic vigilant. Ça pouvait faire très très mal, ça. Ah, l'équilibre était bon. Et c'est un nouveau corner. Et encore une fois, la transversale. La transversale sur ce coup de tête de Benarivo. Oh, tout proche du chaos, là. Les joueurs de l'Antwerp. Benarivo, toujours. Brolin qui s'amuse sur le côté, Brolin qui donne un bon centre à tête à côté. Et là, une belle entrée de mi-temps là, de seconde période pour les joueurs de Tarn au travail de Thomas Brolin là, et le buteur encore produit pour une tête qui passe à côté. Mais les joueurs de l'Antwerp ont eu chaud. Kens, et Nati. Bon, attention, Nati va se faire prendre le ballon. Brolin qui vient chercher le ballon. Celui-là, Brolin, toujours, il n'est pas attaqué. Attention, Brolin, il va tirer. Benarivo qui déborde. Ouais, il s'est sorti ce ballon. Esteban Stojanovic qui allonge. Qui a du mal à récupérer les ballons pour l'instant pour l'île. Alessandro Melli, contré. C'est le reste. Et non, bon, c'est le reste, il a été balancé. L'arbitre a laissé jouer l'avantage. Et le haut, contré. Pizzi, qui est rentré à la place de Oslo. Pizzi pour Alessandro Melli. Melli, il n'y a pas de solution. Ouais. Il perd le ballon et tout de suite le retourner. La défense parmesane est en place. Et agressif sur le porteur du ballon. Sylvain, ça n'a pas pu se débarrasser du marquage de Di Chiara. Dans la boîte, Sylvain qui cherche Zerintinski, il n'a pas trouvé. Mais voilà, Zerintinski qui est au-dessus. Peut-être une frappe, non, c'est coupé. Elle réclame une faute, l'arbitre n'a rien dit. Brolin. Attention, le contre de Brolin, c'est pas compliqué, ça va être coupé par le capitaine de Disney, la nationale, et Apollonou de la tête, c'est le Reims, c'est la perdu, et ça va être un carton jaune pour le buteur Stefano Krogi. Brolin aime bien ce côté là, il va prendre le ballon. Melli qui frappe et en opposition les défenseurs belges, fait bien. Et pour relancer, il faut essayer de relancer vite parce qu'il y a Parme se repasse très vite. Melli, Brolin, toujours Brolin. Oh, il a une fois, deux fois, et la deuxième fois, le tir est manque de puissance. Et on a vu, hein. Melli, Brolin, dès qu'il peut se mettre en position de frappe. Stojanovic. Reste un quart d'heure à jouer, toujours à zéro, rien n'est fait. Dernier inscrit, on ne voit pas beaucoup l'expérimenté attaquant belge. Heymans, dernier inscrit, le voici. Il est passé contre favorable, dernier inscrit, la frappe, oh, et la parade de Balotin. Et ben voilà, sur un éclair, il est capable de marquer. Dernier inscrit, regardez, un petit peu de réussite dans son dribble. Hop, entre trois défenseurs derrière, la belle frappe et belle manchette de Balotin. Superbe occasion pour l'Antwerp. Allez, un corner peut-être pour égaliser à 13 minutes de la fin. Hans-Peter Lenhoff pour le beauté. Ça s'élève bien et ça c'est sans problème pour Balotin qui relance tout de suite avec Benarivo. Et attention, ça revient tout de suite dans le corner avec une frappe au contrée. Et attention, ça peut faire mal avec Brolin. Il se fait un 2 contre 3, Brolin, il y a du monde qui arrive sur le côté, Brolin pour Melli, oh, et le deuxième but,
Et le deuxième but, le but du chaos, le but de la victoire sans doute pour l'équipe de Parme. Eh ben, il faut pas être 50 pour attaquer, à deux ça suffit. Brolin a fait le travail, Méli à la conclusion, 2-0, Forza Parma. L'équipe parmesane va sans doute s'adjuger cette Coupe des vainqueurs de Coupe 1993. Regardez le beau travail de Brolin qui embarque tout le monde. La petite passe est derrière. Finement conclu par Méli. Contre-appel, regardez. Hop, ça y est, il a embarqué son défenseur. Derrière, plat du pied, premier poteau. 2-0. C'est bon, c'est dans la boîte. La coupe des vainqueurs de coupe est en train de prendre la direction de l'Italie. Malgré un beau match du Royal Antwerp, les hommes de Walter Hughes se sont bien défendus, mais le réalisme italien a fait le reste. Attention, c'est pas fini. Méli. Méli toujours. Brolin. Brolin qui va frapper. Bon, ça a été dévié, attention. Ça sera un corner. Allez, c'est inscrit avec Severin, peut-être. Severin, il est parti. Il est parti au but. Severin tout seul. Le but. Oh non. Oh, il a choisi de tirer en force. Francis Severin. Et il tombe sur Marco Palota. Ah, il y avait mieux. Il y avait mieux à faire. Allez, corner. Pour les joueurs au maillot. C'est bien, c'est une reprise peut-être et un arrêt de Balota, c'est pas fini. Nouveau ballon devant but, repoussé. Brolin qui dégage, ça va revenir avec Van der Bergen. C'est bon, un enroulé. Et un ballon devant le but, la tête, la parade, le but, non. Oh, c'est à côté. Aïe, 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 décidément, décidément, ça ne peut pas rentrer pour l'équipe belge aujourd'hui. Et pourtant, ça c'était bien joué. Hein. La tête de Xenatarski, et c'est bon, il n'a plus qu'à la pousser. Mais il ne cadre pas toute la détresse du buteur du Royal Antwerp. On est dans les dernières minutes maintenant. Et Parme mène 2-0. Brolin sur le côté pour Antonio Bennarivo. C'est perdu. Zaniatowski. Allez, une dernière peut-être pour essayer de le sauver, mettre le score. Encore une occasion pour la frappe de Severin. C'est non, toujours pas. Toujours pas. Rien n'y fait. Et pourtant, il s'était encore bien démarqué là dans la surface. Elle n'est pas facile à mettre. Tire décroisé. Allez, dernière seconde, Balota. Et voilà pour son capitaine. Et c'est terminé. C'est terminé sur la belle victoire, pleine de réalisme, de l'équipe de Parme de Nevio Scala. C'était Darkside. À bientôt.